Car il faut être assis. Désormais, nous allons entrer dans le dur de l'Épître aux Romains. Le chapitre 6, les 14 premiers versets du chapitre 6, ils succèdent à cette phrase de Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et voici ce qu'écrit l'apôtre. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Ça, ce serait un peu la position de Martin Luther. Plus je pèche et plus je suis pardonné. Mais c'est pour plus tard. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions dans une nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Seigneur, ta parole est pour nous source de vérité alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour nous remettre de ces émotions, je vous propose de chanter le cantique 178, dans notre recueil Louanges et prières. Cantique 178, les strophes 1, 2 et 3. Seigneur Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils,
dans la trajectoire de tous les témoins de ton espérance. Par ton esprit, rends ce texte vivant, de telle manière qu'il nous aide à entendre ta parole. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons parcouru un petit passage du livre d'Esther, nous avons mis en évidence cette foi areligieuse qui permet de libérer le divin, la puissance divine des formes religieuses. Et puis nous avons traversé aussi le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, qui nous place sur le chemin d'une vie simple, une vie simple qui permet de libérer l'homme des formes religieuses. Deux libérations, libération du divin, libération de l'humain, qui, espérons-le, permettent la rencontre de l'un et l'autre. Et lorsqu'il y a rencontre, eh bien, c'est le temps de la grâce. La grâce, c'est ce moment où l'être humain se révèle dans toute sa plénitude. La grâce, c'est lorsque l'humain devient véritablement humain. La grâce, c'est ce moment où les masques tombent et laissent apparaître l'être véritable dans toute sa splendeur, dans toute sa grâce. Ce moment où l'être est porté à hauteur de Dieu. C'est ce moment que l'apôtre Paul nous montre du doigt. C'est ce moment que l'apôtre Paul nous présente, le temps de la grâce. Et c'est ce temps de la grâce que j'aimerais évoquer avec vous ce matin. Ce temps de la grâce que j'essaierai de caractériser de trois manières différentes, trois temps de la grâce qui nous permettront peut-être de voir un peu mieux ce qu'est ce concept tout de même assez étrange. Tout d'abord, Paul commence par se référer à une scène qui a déjà été jouée. C'est le baptême de Jésus. Mais il ne se contente pas de parler du baptême de Jésus, il le relie aussi à sa mort, à son ensevelissement et même à sa résurrection. Il condense le temps de Jésus. Et comme si cette condensation ne suffisait pas, il relie cela à notre propre vie. Nous avons été baptisés du baptême de Jésus. Un baptême selon sa mort. Alors, pour nos esprits extrêmement rationnels, cela suscite quelques étonnements. Comment comprendre cela? Eh bien, il me semble que ce que Paul nous montre, c'est que notre manière de vivre peut être pensée en fonction d'un événement du passé. Un événement qui ne nous est pas directement connu, mais qui néanmoins donne à notre vie sa couleur véritable. C'est un oui. Un oui qui a déjà été prononcé sur notre être. Avant toute chose, avant même que nous envisagions quoi que ce soit, il y a d'abord un oui qui a été prononcé sur nous, une bonne fois pour toutes, et dont nous pouvons tirer toutes les conséquences pour nous-mêmes.
L'apôtre Paul parle du Christ Jésus parce que cela fait sens pour les personnes auxquelles il s'adresse. Et si l'apôtre Paul les relie à ce que Jésus a fait, ce que Jésus a vécu, c'est parce que ces personnes-là ont dans leur mémoire ce que fut la dynamique, la trajectoire de Jésus. Et du coup, ce que Paul les invite à faire, c'est reprendre son histoire, la retraverser pour s'en inspirer, pour la conformer, comme il dit à un autre moment de l'Épître aux Romains. Si Paul avait voulu être plus précis et plus long, il aurait rappelé comment Jésus était entré chez un pharisien qu'il avait invité à manger. Et il aurait raconté comment une femme pécheresse était jetée à ses pieds. C'est à elle que Jésus dit « Tes péchés ont été pardonnés », étant en cela témoin d'une scène qui a déjà été jouée au préalable. Ce n'est pas tant Jésus qui pardonne les péchés de cette femme que Jésus qui indique que ses péchés ont d'ores et déjà été pardonnés. Indiquant par là que la scène du pardon a déjà été jouée, qu'elle est déjà au bénéfice d'un oui que la vie prononce sur son existence. Indiquant par là quelque chose qu'elle-même ne savait pas encore très bien. Jésus, lui, l'avait constaté à travers ses gestes d'affection qu'elle avait eus sur le corps de Jésus. Oui, cette femme était capable d'aimer, cela signifie donc que cette femme avait été aimée. Aimée d'un amour qui dépassait largement tout ce qu'elle pouvait envisager, espérer. Un amour plus grand qu'elle, bien sûr. Un amour qui avait touché son être le plus profond, qui l'avait vraiment touché. Un amour qui l'avait vraiment rencontré. Un amour qui avait rencontré cet être enfoui sous sa mauvaise réputation. Son être étranglé par les railleries de tous les pharisiens. Mais le regard de Jésus, lui, avait vu cela. Il avait pu mettre son être en pleine lumière. Et Jésus avait eu cette sensibilité à cette grâce qui dit l'identité profonde de l'être humain, avant même que l'être humain en ait conscience. Et Jésus l'avait révélé. Cela ne fut pas épisodique. Jésus l'avait fait aussi cette fois où il se promenait dans un village. Il y avait là une dizaine de personnes, des lépreux, disait la rumeur. Oh oui, ils avaient été lépreux dans leur jeunesse. Mais Jésus, lui, ne se contentant pas de la rumeur, lorsqu'il les avait croisés, il avait pris soin de les rencontrer, d'aller chercher leur être véritable et de le leur révéler. En fait, ces hommes n'étaient plus des lépreux. Oui, la rumeur était persistante. Eux-mêmes s'étaient habitués à leur état. Mais comme plus personne ne les regardait, qu'ils ne se regardaient plus eux-mêmes, qu'ils ne se considéraient plus, eh bien, ils avaient perdu tout espoir que cela s'arrange. Mais Jésus les regarda, vraiment, et il vit qu'ils étaient guéris. Et du coup, il leur conseilla d'aller se présenter au grand prêtre pour que cela soit attesté et qu'ils puissent réintégrer la société humaine. Jésus était là aussi témoin d'un oui à la vie qui précédait l'existence de ces hommes et dont ces hommes n'avaient pas conscience. Voilà pourquoi Jésus est cette figure à laquelle l'apôtre Paul nous rattache. Avant même que les évangiles fassent de Jésus quatre trajectoires, quatre tentatives d'esquisse pour nous donner le goût de la vie selon le Christ. Il nous dit que nous aussi, nous sommes au bénéfice de cette grâce, que pour nous aussi, il y a un oui qui précède, c'est le oui du baptême. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Cette scène qui s'est jouée du côté du Jourdain est une scène qui vaut pour nous aussi aujourd'hui. Cette scène qui s'est jouée du côté du Golgotha et qui a fini dans un ensevelissement, mais qui ne s'est pas finie comme cela, qui a continué par une résurrection, cette scène vaut aussi pour nous. Il y a des résurrections qui valent pour nous aussi. Paul nous dit qu'il y a des signes et que nous serions bien inspirés de les interpréter, ces signes. Paul nous dit que nous sommes capables, avec ces signes, de faire passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, de l'infamie à la gloire, de l'usure à la nouveauté de vie. N'est-ce pas ce que fit Albert Schweitzer?
Albert Schweitzer qui a donné comme exhortation à l'homme moderne « Suivez l'homme comme je l'ai suivi ». Rejoignez-le là où les autres ne le trouveraient plus, dans la boue, dans la bestialité, dans le mépris. Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Voilà la dynamique de Jésus. Voilà le baptême auquel nous pouvons nous conformer. Cette grâce première, quelqu'un qui vient à notre recherche alors que nous n'avons encore rien demandé. C'est le premier temps de la grâce, une scène qui est jouée au préalable. Le deuxième temps de la grâce, c'est un deuxième oui. La grâce est donc ce qui révèle l'identité de l'être, disais-je, avant tout acte de notre part. La grâce, c'est aussi ce qui nous permet d'agir. C'est ce qui nous permet d'agir avec toute la puissance de cet être nouvellement révélé. La grâce, c'est de pouvoir agir librement, en étant libéré de nos rôles de composition, en étant libéré des étiquettes, en étant nous-mêmes rendus à la vie, en étant nous-mêmes rendus à nous-mêmes. C'est ce que Paul affirme en écrivant que nous sommes morts au péché. Alors, qu'est-ce que le péché ? Si on ne sait pas ce qu'est le péché, c'est difficile de savoir ce qu'est la grâce. Le péché, ici, signifie tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous maintient à distance de nous-mêmes. Le péché, c'est la distance qu'il y a entre nous et nous. Le péché, c'est le fait que nous ne sommes pas encore au niveau d'existence que nous pourrions atteindre. Paul affirme que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, aussi vivants que le Christ Jésus le fut durant tout son ministère. Ne cédant rien sur ce qu'il estimait juste, ne restant pas enfermé dans les conventions, les états imposés par la société, cette loi que fustige Paul, cette loi qui bride, cette loi qui ne dit pas le tout de la vie, qui ne dit pas l'infini de la vie, et qui du coup nous laisse toujours en sous-régime, nous empêche de donner toute la démesure de cette grâce que Dieu intègre dans notre trajectoire. Faire des choses qui ne sont pas conformes à la loi. La Bible en est remplie. Je prends trois exemples anecdotiques, insignifiants. Cet homme, ce centurion romain au pied de la croix de Jésus, qui dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Qu'est-ce qu'un centurion romain non-croyant à dire cela à ce moment précis. Autre exemple, les patriarches tels que Jacob, qui sont au bénéfice de cette promesse divine, qui sont au bénéfice de cette promesse d'une terre promise. Comment se fait-il qu'ils en viennent à faire appel à l'Égypte pour sauver leur vie, pour sauver leur peau ? Et quelques siècles plus tard, était-il si évident que le prophète Ésaïe encouragerait le peuple hébreu à ne pas s'allier justement pas avec l'Égypte, au plus fort de la pression internationale? Autant de situations dans lesquelles il y a des changements de paradigme. Autant de situations dans lesquelles les conventions explosent. La vie fait tout craquer. La vie fait craquer le scénario préétabli. La grâce, c'est ce qui nous permet d'agir selon un esprit de réforme. Cet esprit de réforme qui laisse derrière soi les choses mortes, les idéologies qui n'ont plus lieu d'être, ces rengaines usées. La grâce, c'est ce qui s'intéresse à célébrer la vie. Non pas la vie telle qu'elle fut autrefois, mais la vie telle qu'elle peut aujourd'hui s'épanouir. La vie telle qu'elle est appelée à être. La vie, selon ce qui nous semble juste, ce qui nous semble un bien absolu, et non pas relativement à ce qui a été dit autrefois. Tant pis si des parents attendent d'un professeur qu'il mette des notes, et exclusivement des notes, à leur enfant. Ce professeur de mathématiques qui interrogera l'élève pour comprendre ce qui l'a amené à un résultat faux, eh bien, il sortira peut-être du rôle que les parents lui assignent, sanctionner le niveau de leur enfant. Lui mettre une note pour son dossier,
et que son dossier lui permette d'accéder au niveau suivant. Tant pis si ce professeur sort du rôle qui lui a été assigné par ses parents. Ce professeur entreprendra avec cet élève la traversée de son désordre. Il lèvera les ambiguïtés de langage, peut-être, et il permettra en tout cas à cet élève de comprendre enfin ce que racontent les mathématiques. Oui, il sera sorti de son rôle, quoi qu'on pourrait attendre cela d'un professeur. Mais ce n'est pas écrit. C'est ce professeur qui comprend sa vocation en ces termes. Quant à ce jeune à la dérive, qui accepte de donner un coup de main pour un déménagement organisé par une équipe de prévention de la délinquance, au profit d'une vieille dame, vers les Halles. Cette vieille dame lui assurera, ce jeune complètement à la dérive, mais c'est un euphémisme de ma part, cette vieille dame qui assurera que vraiment, cela irait mieux si tous les jeunes étaient comme lui. Parce qu'elle l'a vu autrement que ce qu'il donnait à voir jusque-là. Parce qu'il a changé de paradigme. Parce que ce « oui » qui lui a été prononcé, « oui, tu es capable de » la transformer, métamorphoser. Et du coup, il peut désormais agir, il peut désormais faire valoir ses talents jusque-là cachés, sans se conformer à la loi du milieu, sans se conformer à la loi du plus fort, la loi du hasard, la loi du premier arrivé, toutes ces lois qui sont le péché que désigne Paul. Il peut désormais agir selon ce qui est juste, et non pas selon ce qui lui semble convenable par rapport au siècle. La grâce libère notre action. La grâce, c'est ce qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes et de pouvoir agir vraiment, selon nos talents, en faisant abstraction de toutes les disciplines de groupe, les disciplines de parti, les intérêts relatifs, les logiques de vengeance, les stratégies de coercition. Agir pour le bien absolu. Voilà ce que la grâce nous rend capables de faire. Un oui de la vie qui est adressé à chacun de nous, un oui à la vie que provoque la grâce. Il y a ce troisième temps qui sera le temps du oui à l'avenir. Le péché, je disais, c'est cette distance qu'il y a entre nous tels que nous sommes au jour le jour. Ce que nous sommes là, maintenant, ce que nous pensons, disons, faisons. Et nous tels que nous pourrions être. Tels que nous pourrions l'être à chaque fois que nous nous rendons compte que la vie nous adresse une autorisation de vivre. À chaque fois que nous prenons conscience que notre être profond est bien autre chose que le « quand dira-t-on » qui jusque-là a martelé nos oreilles. Le péché, selon Paul, c'est tant que nous sommes fermés à cette grâce, tant que nous sommes à l'écart de l'appel à la vie qui nous est lancé. Bien souvent, nous pensons que notre être véritable se construit dans la fidélité à notre passé, à nos racines, à nos ancêtres, à ce que nous avons toujours été. Nous avons parfois le sentiment que pour être vraiment nous-mêmes, pour être fidèles à nous-mêmes, il ne faut pas changer d'un iota. Il faut en quelque sorte camper sur ses positions. Et que dès que nous bougeons, dès que nous évoluons, nous ne sommes plus tout à fait nous-mêmes. Eh bien, Paul peut nous donner peut-être cette impression-là quand il enracine la vérité de notre vie dans un événement historique qui a déjà eu lieu autrefois. La vie de Jésus. Mais la grâce dont parle Paul n'est justement pas une fidélité par rapport au passé. La grâce, c'est une fidélité par rapport à l'avenir. Les disciples de Jésus étaient pour certains des pêcheurs de poissons. Eh bien, ça ne va pas durer. Ils vont devenir pêcheurs d'hommes. Et par cette vocation, ils vont être bien plus fidèles à eux-mêmes, à leur capacité, que s'ils étaient restés pêcheurs de poissons. D'excellents pêcheurs de poissons peut-être. Mais ils avaient mieux à vivre, mieux à faire. La femme cananéenne que rencontre Jésus, une étrangère, mécréante, rien à faire dans les jupons de Jésus. Eh bien, elle ne reste pas campée sur sa tradition qui, en principe, l'aurait empêchée d'aller à la rencontre de Jésus. Elle ne reste pas campée sur sa tradition
Et Jésus non plus d'ailleurs. Jésus l'agrège au peuple de Dieu, à cette communauté universelle des hommes et des femmes qui sont saisis par cette question de l'être. Et Jésus lui offre même une place de choix en disant que la foi de cette femme est vraiment grande. Il y a cette femme accusée d'adultère aussi, qui n'est pas condamnée par Jésus à vivre inlassablement dans la répétition de cette faute. Elle n'est pas condamnée à vivre inlassablement dans ce passé qui la rattrape. « Va et ne pêche plus », lui dit Jésus. Ça l'oriente vers un avenir marqué par autre chose que ce qu'elle avait vécu jusque-là. C'est ça, cette vie nouvelle que prêche Paul, la possibilité de vivre autre chose que ce qui a été vécu jusque-là. Une vie qui ne cesse d'être entravée par tout ce que notre passé a pu accumuler de poids morts, de blessures, de mauvaises paroles, de fausses directions, de coups sur la tête. La grâce qui touche notre être véritable et qui le révèle, qui nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, oriente notre être tout entier vers cet avenir bien vivant où ce qui est mortel n'a plus aucune prise sur nous, n'a plus aucune fascination, n'a plus aucun pouvoir sur nous. L'écolier qu'on moquait et qui savait à peine s'exprimer pour ne pas décevoir ses camarades de classe, mieux vaut être bouffon que de n'être rien, se disait-il. Eh bien, il sera au bénéfice d'une parole de grâce, d'un enseignant, qui le libérera du poids de son passé. Et il le libérera tellement bien que cela lui permettra de devenir l'un des plus grands auteurs de la chanson française. Il y a cette jeune fille aussi qui pourra mettre à nouveau les pieds, tout son corps et en particulier sa tête qu'elle pensait maudite juste suite au viol de son père. Mais la grâce, c'est lorsqu'un oui à l'avenir est exprimé. Exprimé de manière suffisamment puissante pour rompre ces amarres qui nous retiennent à quai, qui nous empêchent d'avancer, qui nous immobilisent dans notre trajectoire, qui empêchent d'ailleurs toute trajectoire, qui nous condamnent au passé, qui excluent toute vie nouvelle. Cette jeune fille deviendra non seulement une artiste manifestant cette grâce qui exorcise la bestialité, mais elle métamorphosera son passé en tirant de ce passé ce qui sera son nom d'artiste. Tout autrement, ce serait rester campé dans le passé. Ce serait être traditionnaliste en quelque sorte. Rester enfermé dans le mimétisme, dans la reproduction inlassable et donc stérile de ce passé. Dans le respect à la lettre de ce que furent les temps anciens. Être sous le coup de la loi. Voilà. Voilà qui condamne les individus à rester ce qu'ils sont. La loi, c'est ce qui nous condamne à rester nous-mêmes. À rester ce que nous sommes, à ne pas devenir, à ne plus rien espérer, à ne plus rien vivre. Et à la limite, à ne même pas mourir. Parce que pour mourir, il faut encore avoir vécu. La grâce, c'est ce don originel qui fait que notre être est au bénéfice d'un oui de la vie. Il y a avant toute chose cette vie qui nous dit que notre existence n'est pas un cadeau empoisonné, qu'il y a des choses à vivre, à éprouver, à ressentir, à partager, à développer. La grâce, c'est aussi la révélation de notre être, une révélation qui nous permet de dire oui à la vie, de nous engager dans la vie, de nous engager dans une éthique, de pouvoir engager tout notre être, tous nos talents, toute notre conscience, notre créativité, notre génie propre. Et puis la grâce est cette fidélité renouvelée à l'avenir. C'est un oui que nous lançons à l'avenir. Vivre mieux que ce qui est inscrit dans les scénarios, vivre mieux que ce qui est inscrit dans la loi. Voilà ce que nous offre la grâce. Amen.